Un school bus en Dordogne, une première dans le village de Tocane, qui s'est doté d'un véhicule à pédales à assistance électrique pour le transport scolaire. C'est très peu développé en France. En Dordogne d'ailleurs, on est la première commune. Et aussi, ça évite de prendre la voiture. Et en plus, ça tu peux prendre de l'heure. On va à l'école le matin avec, après c'est drôle. Deux semaines où on va apprendre à gérer les enfants, à gérer le school bus, à avoir un peu de maintenance et puis à être apte pour faire les trajets en toute sécurité. C'est vraiment cool, on pédale, on peut voir les maisons des copains, c'est cool, ça fait un petit balade. Chez moi il y a une descente et on n'a même pas besoin de pédaler et c'est une descente trop cool. L'île de Ré est victime de son succès. Les couples viennent de la France entière et même des États-Unis pour s'y marier. Il faut dire que gérer l'afflux des demandes pour les mairies et les églises est un vrai casse-tête. Mais pour conserver la belle carte postale, les élus sont très vigilants. Le danger, selon eux, la menace des sites naturels protégés. Des plages de rêve, un décor unique, l'île de Ré a de quoi faire rêver. Alors l'image de faire un mariage chic et décontracté face à l'océan séduit de plus en plus de couples. Le diocèse de l'île de Ré célèbre en moyenne 65 mariages par an. Et pour avoir le droit de faire la cérémonie sur l'île, une règle indispensable. On essaye quand même de limiter au niveau pour les mariages, suivant la règle du droit canonique, hein, qu'il faut une résidence principale ou secondaire, des parents ou des grands-parents, ou même des couples, là, voilà. On reste là parce que sinon, on partirait dans tous les sens, et il est nécessaire qu'on puisse quand même régulariser. C'est bien, on aime bien l'île de Ré, le cadre, il est bien, c'est joli. Mais c'est vrai que c'est joli, c'est très chouette, il n'y a pas de souci. Mais non, je crois qu'à un certain moment, il faut savoir dire oui, mais aussi dire non. À certains moments. Mais un mariage, c'est aussi réunir du monde et faire la fête. Et c'est là où ça coince, car trouver une salle capable d'accueillir plus de 100 personnes est très compliqué. Et les maires de l'île tirent la sonnette d'alarme face aux chapiteaux sauvages dans les marais ou sur la plage. Et dans le viseur, des wedding planners étrangers à l'île et sans scrupules pour la nature. La vraie difficulté, c'est que certains en ont fait un commerce, ce qu'on peut très bien comprendre, d'événementiel, et commencent à proposer véritablement des activités qui ne sont plus lieu avec le besoin, voilà, et que le commerce multiplie le commerce, et que le caractère lucratif fait qu'on crée des activités qui, normalement, si on n'avait que les mariages, je dirais, en liaison avec la population rétaise, c'est 18 000 personnes, réparties sur 10 communes, aucun problème. Mais là, on commence à avoir vraiment des propositions très claires, clés en main, de « mariez-vous à l'île de Ré ». Et on a des demandes qui sont extérieures à l'île, voire beaucoup plus loin. Alors pour les couples qui souhaitent tout de même fêter leur union sur l'île, commencez par réserver une salle, car il y a 2 ans d'attente. 55e édition de la Tiger Meet à Mont-de-Marsan sur la base aérienne 118, exercice aérien d'envergure internationale regroupant divers escadrons de chasse des pays membres de l'OTAN, l'un des plus importants. But, favoriser le travail des différents escadrons dont l'emblème est un tigre. 2 escadrons de la base landaise le portent justement, le 330 Lorraine et le 130 Côte d'Argent. Ce sont pas moins de 60 avions de chasse qui y participent et 13 hélicoptères de combat d'une dizaine de nationalités différentes. Là, vous êtes au cœur du live de la mission dans une salle qui s'appelle Jeannette. Voilà, c'est ici que vous allez avoir l'arbitrage, on va dire, des tirs et des événements qui se passent en vol. Sur le côté gauche pour les forces bleues, sur le côté droit pour les forces rouges. Et au milieu, vous avez donc l'Airbus qui est en fait l'arbitre des tirs et des événements qui va se passer, qui va valider ou non certains tirs et retirer justement du combat des joueurs qui auraient été simulé, tué pendant la mission. C'est lui qui va créer des événements imprévus aussi pour aller tester les forces au maximum, parce qu'évidemment on monte des plans, mais il y a toujours les imprévus à gérer. Et c'est lui qui va être en charge et qui a l'autorité d'injecter des événements imprévus dans la mission. Le sable, une denrée rare, absurde, pas forcément, qu'il soit surexploité ou qu'il vienne à manquer naturellement par l'érosion, le sable tend à disparaître. Il faut dire que c'est aussi une ressource pour le béton, le verre et autres routes. Donc là, nous sommes sur le site de la Salinor, un site qui a été en érosion sur la période de 2013-2014, avec des répits à partir de 2015. Donc sur cet endroit, on avait une falaise d'érosion de 4 à 8 mètres en fonction des secteurs.
au plus près du poste de secours. Donc à partir du moment où les érosions se sont calmées, là on a pu accompagner les phénomènes naturels et capter les sédiments présents. Donc, par la pose de filets coco, puis de ganivelles, hein, on en est à la quatrième génération de ganivelles posées sur le site. Elles font à peu près un mètre de hauteur. En fait. Et puis couverture de branchage et plantation, une fois que l'on a eu le profil un peu idéal. Donc ça a été remodelé, mais avec l'aide du vent. La cantate aquoise, une musique composée par Gauvin Adrino, présentée dans l'enceinte des arènes de Dax à l'occasion des finales de la Coupe des Landes de basket. Il espère que sa musique devienne l'hymne des fêtes de Dax. Les festailles jugeront par eux-mêmes entre le 14 et le 18 août prochain. Chante et chante.